Oh là 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 là. Oh, cette musique! Oh ah là là, génial! J'adore! Trop bien. Je bouille. Je vais faire une capture comme ça, ça si jamais ça ramera pas. Voilà. Winston est arrivé. Attends. Winston a trouvé une solution à la baisse de morale de cette ville. Il a appelé l'enfer dans une chambre un jour et l'enfer lui a répondu. Le corps humain pouvait, l'enfer promettait, être transformé, étiré, oui, cassé. Crève ta race, bâtard ! Merci Mengazi qui remporte une pub de pute. Déjà 13 mois. Qui pouvait être transformé, déchiré, cassé dans quelque chose de. Dans une forme un peu plus. Équine, donc propre au cheval, et un peu plus gentille. Le cœur humain pouvait être façonné dans quelque chose de moins humain. La ville de Winston, maintenant remplie par les gens cruels et ignorants, pouvait à la place être remplie avec des poneys magiques s'ils pouvaient fabriquer une usine pour les faire. Winston pensait qu'il serait beau, gentil et bon. L'enfer avait d'autres plans. Et qui ne... Ok. Putain, ça me fait penser à toutes ces sessions d'urbex que j'ai fait dans ce genre de bâtiment. Ok. What? Tu faisais de l'urbex en noir et blanc. Bon level design ça. Cherche la porte non verrouillée pour finir une zone. Bon, on va tirer pour... Ok. Que je vois comment ça fait, quoi. Petit poney! Appuie sur left pour faire, appuie sur R pour recharger, ok. Emmène-moi dans ton pays magique. Shift pour marcher lentement.
Et ça marche pas, ça? Bon, ça semble toucher que cette zone-là. Oh là 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 là. Oh là là, mais non. Récupère des medikits pour récupérer de la vie. Ouais, je vais essayer la porte quand même au cas où, mais... Meok... Alors oui, il faut savoir que Meokuni sur le chat, elle a peur des chevaux. Pas prendre la pioche. Ouais, on va revenir en arrière pour aller chercher de la santé. Les guns ça va, mais la santé c'est pas. Ils ont des animations de fauves, ouais, bah ils ont. Mais en même temps c'est des humains, je le rappelle. Hein. C'est des humains modifiés, c'est pas des chevaux. Ça vous donne une inspi pour dimanche, ça, hein, pour samedi prochain. C'est trop bien, l'idée de la lumière et du... C'est mieux fait que dans Doom 3, hein, putain. Je suis totalement d'accord, le trolley. Mais là, c'est instant, en fait. Il y a vraiment côté gameplay, tu vois ce que je veux dire. Ça a été pensé pour le gameplay. Ça reste effrayant. Mais Ah merde, il y avait de la vie, là. C'est sur Steam, hein. C'est Dread X Collection, c'est sur Steam. Attendez, attendez, il a utilisé des pouvoirs magiques, là? Thank you.
L'ambiance est vraiment bien gérée et le côté... On n'est pas vraiment dans un FPS ni dans un jeu d'horreur, on est vraiment à la frontière et je trouve ça pas mal. C'est mieux géré que dans... Que dans d'autres jeux du même genre, je trouve. Il se déplace en électricité. J'ai pas testé, j'avoue que... Ne le sais. Bon, on est pas mal. Tout va bien. Les musiques sont cool. L'ambiance aussi. D'accord. Ouh. D'accord. En gros, ils disent de tirer en salve. Salve. Oh putain, ta mère. Il, le bruit qu'il fait me dégoûte. J'aime pas les bruits qu'ils font. C'est vraiment intéressant, hein. Le gameplay est vraiment à la frontière. Ouais, il me tire des lasers, mais en même temps, c'est des poneys de l'enfer, hein, je vous rappelle quand même. Bonjour. Ah, c'est dur, hein, d'éviter les tirs quand même. Bon, pour l'instant, on est bien. Ce bruit est horrible. Le fait qu'on comprend pas vraiment leurs mouvements et tout. Bon, j'espère que ça va changer un petit peu parce que ça tourne un peu en rond maintenant. J'ai eu peur de ça. Donc c'est un mec par jeu, je le rappelle, hein. C'est pas un mec qui a fait tous les jeux.
Ah, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est bien géré. Maintenant, à voir où ça va. C'est du reblochon. And what if it is? C'est pas mal, on commence à peu changer les choses là. Le côté s'enfoncer en enfer là. J'aime bien. Putain, j'ai eu peur. Genre, on voit pas trop où on est, on comprend pas trop ce qu'on voit. J'ai un peu paniqué. Un peu. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un qui me fonce dessus. Je vais pas acheter une lampe frontale, j'avoue, moi je mettrai la lampe dans ma bouche, hein. Je cherche un repère visuel pour me rassurer, les gens. Oh. On n'est pas en noir et blanc, les gens. Trop bizarre, pourquoi il y a des couleurs? C'est ouf d'arriver à faire un peu peur avec. Les choses, la chose que tu cherches est au cœur du Ponymaker. Bon bah vas-y hein. C'est ça que tu cherchais, prends-le. Tu as ce que tu... ce pourquoi tu es venu. Maintenant, échappe-toi.
Vous pensez que je vais devenir un panais? C'est pas trop drôle que le jeu ait été construit sur le fait que si tu tues... Ah putain, j'ai eu peur, ça fait tellement longtemps. Ça m'a vraiment fait... ça m'a vraiment fait peur. Vous croyez que ça... En gros, ma question, c'est est-ce que la vie et les munitions que j'ai prises font que y en a plus? Parce que là, j'ai plus que 50 PV, quoi. C'est chaud hein, les gens. Là niveau vie, je suis short hein. Je regarde s'il y en a pas que j'aurais la zappé mais... Non. C'est un petit bruit de poney les gens. Cinq PV les gens. J'espère que je vais vivre, mais j'y crois pas. Hein. Enfin, j'y crois plus. Cinquante-cinq PV. Je sais pas si c'est une save pour tout le jeu ou ça va reprendre au niveau d'avant, tu sais. Il y en a bien des petits et des grands, hein, du coup. Je sais pas si c'est rassurant, mais... Mais eux, c'était les petits. Bon, qu'est-ce que vous pensez que ça va être la fin? J'avais pas vu. Bon, ça là, j'ai récupéré quand même pas mal de PV. On peut être relativement confiant.
Ça va, le jeu est généreux. Il va se réveiller et voir des gens morts autour de lui. Crédible. Il y a bien une différence de taille, hein, je confirme. Ah ben on avait dit depuis le début que c'est des humains transformés, donc peut-être que c'est des enfants transformés aussi. Ça serait fair game de dire ça. Moi je vois bien un boss, ouais, je suis d'accord. Un boss, ça serait dans l'ambiance. Et ce serait une bonne résolution du gameplay. Un peu trop calme. Et je reviens au début là. C'est normal. J'ai fini ma mission quoi. Pas de raison de rester. Hein. Là, je crois que c'est la première salle, non? On est revenu au tout début, là, ça y est. Pas tomber là, hein. Il y a de la fumée. Pourquoi il y a de la fumée? Bizarre. En même temps, j'aurais pas pu la voir. S'il y avait de la vie ou des trucs comme ça, mais non. Bon là, il va me manquer des munitions par contre. C'est good. Merde, 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 merde. Le mauvais rechargement, vous savez. Celui qui te tue. On a fini, genre. Ah non. Ouais, c'était peut-être l'avant-dernier, effectivement, parce que le premier, il se passait trop rien, en fait. Là, c'est le dernier.
Ouais, on va aller chercher les munitions, hein. Ouais, je me rappelle, c'est le premier, ça. Je veux du soin. Fini ? Un boss ? L'homme a souriait alors qu'il marchait à travers le parking abandonné, loin de l'usine de poney. Il avait trouvé et volé la source de l'énergie magique des poneys. Et s'était échappé en gardant la vie. Il avait fait ce que d'autres pensaient impossible. Et maintenant, il arriverait là où son père avait échoué. Avec le pouvoir de l'enfer à ses mains, il créerait sa propre armée de poneys. Beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante. Tout ce qu'il avait besoin était de victimes à transformer et d'une usine dans laquelle le faire. L'enfer avait planifié tout ça. Et il souriait aussi en attendant ce qui y arrivait. C'était pas mal, c'était pas mal. C'est genre en fait le gars. J'avoue. J'avoue que ouais, le gameplay était très bien maîtrisé. Mais bon, il y avait des trucs un peu... voilà.